Bonjour chers taureaux, comment allez-vous? Ici votre horoscope pour le mois de juin 2015. Et qu'est-ce qui se passe? D'abord, la bonne nouvelle, la maîtresse de votre signe qui est Vénus va faire parce que Vénus est la maîtresse du signe du taureau, va faire un conjoint avec la planète Jupiter. Et ça veut dire quoi? Jupiter, c'est la planète de l'optimisme, c'est la planète des possibilités et d'opportunités. Donc ces deux, ça veut dire, ça va vous donner un sentiment d'être à l'aise avec vous-même. Et ça se trouve dans votre quatrième maison. Et la quatrième maison, c'est quoi? C'est votre maison. Donc c'est une possibilité de améliorer, de peut-être des rideaux, des nouvelles rideaux, peut-être. Ou des nouveaux rideaux, je crois. Ou peut-être peindre des choses qu'on veut améliorer et beautify your home. Je ne peux pas trouver les mots, mais je pense que vous me comprenez. Donc, c'est une possibilité d'être un peu plus à l'aise chez soi aussi. Ou une possibilité de gagner plus de la confiance. Et parce que la quatrième maison, c'est aussi votre identité et être content avec la personne que vous êtes. C'est pas évident, hein? Mais maintenant, vous avez une possibilité de sentir ça, cher taureau. Donc, profitez-en. Quoi d'autre? Eh bien, c'est un peu une continuation avec le mois du mai aussi. Beaucoup d'activités dans votre deuxième maison aussi. Et la deuxième maison, c'est la maison des taureaux. Et c'est la maison ça veut dire vos finances, vos talents, vos confiances. Il y aura plus de clarté, surtout aux fins du mois. Parce que beaucoup des gens qui ont le soleil dans le signe du taureau ou l'ascendant dans le signe du taureau ou même la lune dans le signe du taureau ont fait des communications ou ont ramassé des informations ce qui concerne leur situation financière. Et si vous avez fait beaucoup d'efforts pour améliorer votre situation, il y aura une amélioration. Surtout au fin du mois du juin. Donc c'est pas mal parce que les taureaux, on aime la stabilité. La stabilité, c'est très très important pour les taureaux. Eh bien, voilà, ça c'est pour vous, chers taureaux. Profitez-en. Je vous souhaite un bon mois. Merci et à la prochaine.